Je fais une vidéo rapide ce matin parce qu'il y a eu des résultats hier. J'ai pas pu la faire hier soir. On travaillait 12 heures, 14 heures, 15 heures. Sinon, je termine à minuit tous les jours. Bon, hier, après le forfait de. Enfin, c'était plutôt lundi quand on a eu les partants. Après le forfait de défi de Retz, la course était beaucoup plus ouverte. Voilà, donc le résultat, il fallait faire un XXXX. Voilà, alors moi j'ai fait un pronostic, j'ai mis carrément 10 chevaux puisque j'ai envoyé 10 et je discernais aucune base. Hein. Voilà, ben, c'est une vidéo que je vais faire rapidement de 10 minutes, pas plus, hein, parce que c'est trop long à uploader ça. Je prends 3-4 heures à chaque fois, c'est trop long. Je vais pas lire. Hier en plus, mon article c'est un roman. Hein. Vous avez beaucoup de choses, vous apprenez beaucoup de choses. Enfin, j'ai fait mes 10 chevaux en flexi. J'ai fait mes 10 chevaux en flexi. Donc après avoir touché le quintet de lundi, j'ai touché celui de mercredi. Celui de vendredi, je devrais le toucher aussi. J'ai essayé de faire un grand chelem cette semaine. Après, il faut les avoir dans l'ordre, évidemment. Hein. J'ai tergiversé dans cette course. Heureusement que j'ai pas fait le CC au tiercé. J'aurais pas mis Colorado Blue. Et là, je me pendais comme je l'écris dans le texte. Hein. Ah ben, toutes ces hippodromes à 250 mètres de ligne droite, c'est très très dangereux pour le moral et pour le portefeuille. Hein. Faut faire très très attention. Hein. Et encore, Colorado Blue, il a été malheureux. Enfin, vous revoyez la course, il termine tous en paquet. Ce sont des arrivées dignes de Longchamp. Et après, on te parle d'hippodrome sélectif de Vincennes. J'ai débunké cet hippodrome pour ceux qui suivent, qui regardent, qui suivent un peu Internet et YouTube. J'ai débunké cet hippodrome. Hein. Mais je suis un des rares à parler comme ça, si je ne suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Le 1-4 en flexi pour Kevin, il en a beaucoup mis derrière dans le champ, mais c'est bien, il est arrivé à discerner les deux bases. Hein. Et oui, il a pris digne et droit et crescendis. Si Goofy Grenou n'est pas là, qui ne devait pas passer au chronomètre, mais comme par hasard hier, alors qu'il n'a jamais trop témoigné une 14, hier il a fait une 13-3, donc il a gagné. Hein. J'avais fait un petit jeu sur lui, j'ai vu que quand j'ai fait des petits jeux sur des chevaux que je voulais qu'ils soient à l'arrivée, ils ont été disqualifiés, ils n'ont même pas terminé le parcours détruit par les ondes. Là, lui, je vous ai fait un petit jeu pour l'arrêter, évidemment, il gagne. Tout est dit sur les ondes, j'ai tout compris. Eh ouais, c'est dommage qu'il en ait mis beaucoup, sinon il serait rentré directement dans l'onglet tickets gagnants après 3 jours seulement d'abonnement. Bravo Kevin, hein, ben, je vois que tu es passionné, hein, que tu fais le papier, que tu as pris le lien droit, qui était au plafond des gains, c'était un peu sa course, mais lui aussi au chrono il passait pas. Il n'y avait que des. Après des filles de Retz, c'était vraiment un lot de moyenne facture pour moi. Hein. Bon, on les connaissait un peu tous, mais après ça se joue là, voilà. Tu refais la course, c'est notre arrivée. Hein. Et ce Django du bocage, toujours confiance, Meunier, jamais à l'arrivée. Oh, toujours là, toujours, je vais gagner, il gagne jamais rien du tout. Hein. Ça fait peur ça aussi. Hein. Oui, si tu l'avais fait à 50%, tu aurais gagné 900. Eh ouais, 900 euros. Enfin, c'est pas mal, hein, tu arrives à discerner de base. Il m'a remercié pour Colorado Blue, oui, parce que là, vous croyez que c'est facile tout ça. Ah, hein. Oh, mais Fred, comment tu as su? Non, non, il n'y en a pas un qui m'a posé la question. Hein. Ben, enfin, c'est un truc que je suis de longtemps. Voilà, j'ai posé la question par hasard. Je ne savais même pas si l'autre il avait des parts ou pas. Il m'a répondu oui, parce que je sais que bon, chez Gibbon, encore une pharmacie belge, hein, qui venait de gagner d'ailleurs à 40 contre 1 lundi pour ceux qui suivent avec Bip Bon Marceau. Hein. Faut suivre les Belges. Faut suivre les pharmacies stupéfiantes. Hein. Si vous ne suivez pas les pharmacies, ben vous êtes endormi. Hein. Quintet dans le désordre pour Julien B aussi. Et lui, il en a fait 8. Il a réduit le jeu. Hein. Qui l'a enlevé? Il a enlevé Brian Mardrick qui n'avait aucune référence à Vincennes. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'a pas de référence à Vincennes qu'il n'est pas très arrivé. Hein. J'ai vu des chevaux, moi, parce que Vincennes, vous savez, bon, je vais pas en reparler. Hein. Des chevaux qui, 15 fois, ils courent 15 fois, ils disent dernier décollé, puis d'un coup, ils vont gagner la course à Vincennes. Hein. Ah oui, c'est ça, Vincennes, tu sais pas. Hein, tu es dans les sables les plus mouvants qui existent. Hein. Là, on est carré, nous, c'est à Noël, le prix de France, le prix d'Amérique. Voilà, avec des bons chevaux. Là, on peut être carré. Ben, alors, sinon, tout le reste. Ah oui, il a fait à. J'ai pas vu, il a fait à 50%. Ah ouais, il a fait 8 chevaux à 50%. Eh ouais, mais toutes ces longues combinaisons, j'ai fait une vidéo sur le quintet. Chaque fois que vous faites une longue, vous ne le touchez jamais dans l'ordre. J'en vois rarement. Tous les quintets dans l'ordre à 80-90% ont été touchés avec des X. Il faut toujours laisser l'inconnu. L'X, c'est l'inconnu quand on était en mathématiques. Hein. Petit. L'X, hein, hypothèse. Eh oui. L'exploit. Ben Henri fait beaucoup d'exploits. Lui, il n'est pas longtemps qu'il est arrivé. Oh. Henri, mon oncle, 66, ma date de naissance, toi tu as les bonnes ondes, toi. Ah, tu as les bonnes ondes pour moi, toi. Ah ouais, c'est carré, hein.
Henri Moulin aussi, eh oui. Champion de boules, de pétanque. Eh oui, Henri, alors lui, il a sorti une bombe atomique, comme j'avais discerné 10 chevaux. C'est déjà bien délagué le quintet à 10. Hein. Il a fait un de plus, il a pris les mêmes bases que Kevin, 11 et 14. C'est fabuleux, hein. €792. Et alors là, je sais pas ton prénom, je crois que tu t'appelles Philippe. Un Guadeloupéen, je sais. Regardez-moi ce ticket qu'il a fait. Oh. Oh là 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 là. Entre le ticket de Stéphane Lundy, une inversion pour des silos à gogo, je reçois 2 jours après encore un ticket. Il a fait comme moi le 10 chevaux. Il a senti le truc. Il l'a fait. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. 1, 11, 8. Ça se joue entre le 6 et le 14. Oh, mais il a pas fait 3 000 € hier le quintet, hein. Hier, il a fait des plombes, ce quintet. Oh, c'est encore des silos. Oh là 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 là. Ah, j'ai dit qu'à 5, 6 000, 7 000 euros, ça. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, ça, c'est, j'ai fait le test du jeu, là, voilà. Ah ouais, parce que Jérémy Lévy, il avait ses propres couleurs. Hein. J'ai discuté un peu avec lui il y a 5 ans. Hein. Il avait sa casaque orange, et puis après... Je crois qu'ils sont mis à plusieurs, ils sont chez Mélanie Gibbon. Alors j'ai demandé, hein, vous y comptez un peu avec Colorado qui n'a pas fait une arrivée depuis un an. Hello, oui, peut-être, il est bien. Ouais. Ok, merci, on le glissera dans le champ réduit, voilà, c'est bon, c'était carré quoi. Il aime beaucoup plaire, hein, les Goffy Greenwood et le 8 déjà. C'est-à-dire, il y a le champ entier, c'est en deux là. Toujours ma rubrique performante de. Eh oui, le tiercé peut faire un peu d'argent, aucune arrivée logique, mais il n'y a jamais eu dans l'histoire une seule arrivée ou ordre logique aux courses, hein. Surtout dans les quintés. C'est pour cela que la plupart du temps, on touche avec des X. L'inconnu, il n'y a pas de mystère. Hein. Un CC au tiercé est opportun, mais 8 ou 9 chevaux. Et quand j'écris 8 ou 9 chevaux, c'était 5 Colorado Blue, parce que, voilà, quoi. 1 plus 8, et voilà. Tu en enlèves un, t'as moins encore les ondes là, regardez. C'est encore une histoire d'ondes là aussi, pareil. Il y a vraiment 9 chevaux et les autres, il y aura forcément de la casse. Encore plus que ça. Ouais, oui. Tu auras de la presse, tu auras des Colorado Blue. Une fois cité, et c'était encore un outsider que je vous ai sorti quand même. Après Hello Holy Water à Rouen. Parfois j'ai des infos quand même. Hein. Ça qui est bien. J'en ai pas beaucoup, mais souvent quand j'en ai, ça marche. Et alors là, j'ai reçu un ticket. Terrible ce ticket. Ça, tu reçois une fois dans ta vie. Hein. De Yves qui m'a fait un don. Je crois que c'est pas le Yves que j'ai tensé parce que tu m'as pas répondu, j'ai deux Yves alors je sais plus là. Non, je crois que c'est l'autre. Regardez-moi ça. Il a joué 5 euros, il a joué un pic 5 unitaire par 5 euros. Les 5 premiers, il a pris 710 euros. Ah, ça c'est fabuleux. Là. Une course que j'ai pas travaillé. À Vincennes, il faut pas travailler les courses sinon tu finis dans le caniveau. Bon, les salles de l'homme, j'ai donné tous les gagnants. Je crois que dès que je suis rentré, j'ai donné tous les gagnants de toutes les courses que j'ai travaillées. Hier, c'était favori, encore j'aurais pu en mettre. On n'est pas à Vincennes ou à Anguien ou à Rouen ou à la Capelle. Là, là il y avait tous les gagnants, grâce à Isabella, qui se détache, Driss de Guesse, qui se détache, Huracan, qui gagne. On pourrait faire du 6-7 gagnants, mais bon, c'est rare, mais ça arrive. Hein. Alors Stéphane il a joué dans la quatrième, lui il a fait 2 jeux stratégiques avec 1 et 3 X, une base, une fois avec Cyrus Dubec, et ouais, et une fois avec le 11. C'est qui Dreambreaker? C'est Dreambreaker ça? Ah non, il a fait avec Belouise Mabon, il n'allait pas prendre Dreambreaker et Nicolas Bazir, hein, tu trembles toute la course. Hein. Éveil du Lupin, Costu Banneux, premier second, ouais, en fait voilà. Là j'ai donné 4 chevaux, c'est les 4 premiers. Ouais, mais bon, on est dans l'Ouest, et on devrait aller dans l'Ouest tout le temps. Si on allait dans l'Ouest tout le temps, et dans tous mes hippodromes verts, on ne travaillerait plus. Hein. Le problème, c'est qu'il faut travailler, parce qu'il faut récupérer toutes ces merdes, tous ces hippodromes égoutiers, hein, qui nous font chier tout au long de l'année. Voilà, c'est tout. On travaille pour ça, hein. Sinon on ne travaillerait plus. Hein. Dis-moi, c'est énervé. Dommage, dis-moi que tu n'as pas eu de belles cotes. Hein. Mais en fait, tu es passé partout. Hein. Allez, 400 euros, il était sûr. Hein. Mais oui, mais c'est ça, le sable de l'homme. Et oui, c'est ça, et des fois je le fais pas, moi, à 1000 aussi, sur des trucs où. Voilà, bon, Faxima est parti au galop, Forêt Vert de Joie a gagné, Europa Tenu qui était déclassé au papier a gagné. Et là, bon, là, les deux chevaux de la course, premier second.
Il a pris 688, mais ça fait un peu de cave, et puis ça fait des émotions, ça redonne un peu de morale. Hein. Je vous ai dit, les jeux les plus chers sont les jeux les plus simples à toucher. Hein. C'est les jeux les moins chers que vous perdez tout le temps. Hein. Le M4 pour Sylvano aussi. 12, 11, 8. Le couplet placé pour Kevin. Kevin, tu m'as dit, il y avait rien d'autre à jouer. Je t'ai pas répondu, mais j'aurais pu te dire, oui, si, tu aurais pu le faire gagnant. Hein. Un report gagnant pour Charles aussi. Jouer peu, mais bon, regardez, gagnant le 4, le 4 gagnant sec, voilà, et couplé GP 11-12, c'était bien joué, hein, pour monter un peu de cave. Alors là, c'est rigolo, ça. Ah ouais, ça, c'est encore l'histoire des courses. En aparté, c'est drôle, parce que je pose la question, quand il y a Colorado Bleu à la rue, je pose tout de suite la question à Jérémy, s'il a touché dans l'or. J'ai pas fait attention, moi. C'est que dans le prono du turf, regardez, 1, 11, 8, 14, 6, il le donne dans l'ordre. C'est fabuleux, hein. Oui, dans l'ordre. Alors ensuite, je suis allé lui demander. Je viens de demander à Jérémy s'il avait touché le quintet dans l'ordre, sans avoir fait attention qu'il avait donné dans l'ordre à la presse de Paris Turf. Il m'a répondu qu'il avait choisi une autre formule. Comme quoi. Alors là, il a même pas fait son 8 chevaux. C'est terrible. Hein, c'est encore des silos, mais c'est 4, 5, 6, 7 silos, hein, selon où tu joues sur PMU.fr ou dans les points de vente. C'est une voiture. Ouais. Conclusion, vous pouvez être propriétaire, le donner et finalement ne pas le toucher. L'histoire des courses, c'est ça aussi. Ouais, il faut avoir la bonne intuition tout le temps, c'est ça. Bon, Vincent, je ne vais pas parler de l'écœurement. Enfin, voilà, regardez un peu comme c'est long. C'est des œuvres, c'est une œuvre à chaque fois. Mais enfin, l'espoir de la journée, c'est la bombe atomique sortie par... Ah, là, Philippe, il aurait pu l'avoir dans l'ordre. Mister Zolik. Eh ouais, il y a des exploits, c'est bien. Vous m'alimentez, hein, chaque fois que vous envoyez des tickets, vous m'alimentez en gasoline pour que je continue, parce que moi j'en ai marre de toujours fournir les tickets gagnants, il y en a marre. Un peu à vous, hein, aussi, hein. Passe le relais, quoi, parce que bon, c'est vrai, il y en a marre. Eh ouais, il y a eu un paquet de tickets gagnants hier. Ah, dommage, j'aurais pu encore avoir un exploit sur l'ordre, hein. Eh ouais. Voilà, c'était le petit résumé de la journée de hier. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.